Aujourd'hui, nous recevons l'Ardéchoise. Quand les organisateurs de l'Ardéchoise nous ont proposé d'être ville étape ou ville de passage de leur cyclotourisme, nous avons apprécié parce que bon, nous sommes un village du Gard, pas loin de l'Ardèche. L'Ardéchoise regroupe quand même 16 000 participants. Il y en a 500 qui sont passés à Aigues aujourd'hui. Alors pour les recevoir, qu'est-ce que nous pouvions faire? Nous pouvions retrouver nos racines médiévales, puisque nous sommes à 15 jours de la grande fête médiévale, la troisième fête médiévale, qui va se dérouler les 5 et 6 juillet 2008. Alors à cette occasion, on a revêtu nos costumes médiévaux et on a reçu, comme on sait le faire, avec notre convivialité habituelle, tous les participants. Les coureurs ont dû mettre pied à terre sur le chemin de ronde, mais enfin ils ont bien apprécié parce que de là ils ont une vue superbe. Alors nous leur avons proposé des produits du terroir, du rosé, du blanc et du rouge Côte du Rhône. Bon, mais il n'a pas été tellement bu parce que ce sont de vrais sportifs. On leur a proposé aussi des gâteaux faits maison, du chocolat et des cerises de chez nous. Je vois que tout le monde a été bien satisfait. On avait même mis l'ambiance médiévale avec les chevaux du Mas du Roi et la musique médiévale. Et bien sûr, nous avons donné rendez-vous à tout ce monde qui sont passés nous voir pour notre grande fête médiévale qui a lieu à Aigues les 5 et 6 juillet 2008. Il s'agit de la troisième fête médiévale.